Et bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule pour Wiz Affiliate dans laquelle nous allons parler du sandbag clean. Et vous avez vu, je suis tout seul aujourd'hui, donc je serai à la régie, au micro, à la démonstration. Et c'est parti. Je vous rappelle, le sandbag clean, c'est un mouvement qui ressemble à ça. L'idée de ce mouvement, c'est d'amener une charge externe, un odd object, okay, un objet peu commun, du sol jusque sur les épaules. Première étape de ce mouvement-là, on va venir voir le setup et aussi le fait d'amener la charge sur les genoux. Okay. Donc pour le setup, il faut que les athlètes aient les pieds de chaque côté du sac et il faut qu'ils aient les mains sous le sac pour venir vraiment avoir une prise complète dessus. De là, on va venir faire une sorte de deadlift pour amener la charge sur les genoux en ayant les genoux légèrement rentrés et les épaules qui partent un tout petit peu vers l'avant. Regardez, ça va ressembler à ça. On fait pratiquer cette position-là aux athlètes. Ce qu'on peut leur donner comme tips, c'est ce qu'on aimerait que le sac soit le plus en contact avec leur chest, leur ventre et leur cuisse pour avoir la meilleure position possible de grip sur ce mouvement-là. Une fois qu'on a fait tout ça, on va les amener à venir faire la même chose, mais cette fois-ci, à venir se redresser entièrement tout en gardant une prise complète sur le sac. Ok ? Ça va ressembler à ça. Une fois que cette deuxième étape a été effectuée sur quelques répétitions, vous laissez un temps de pratique aux athlètes. On fait une troisième étape. Dans cette troisième étape, on va juste amener l'extension forte des hanches. Vous êtes fait pour devoir venir tendre hyper fort les jambes pour venir amener la charge sur les épaules. Et regardez, ça va ressembler à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu pour enseigner ce mouvement-là. Trois petits steps rapides pour venir amener deux, trois tips sur ce mouvement-là. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars.